frères et sœurs, bonjour. Merci. Nous allons commencer la messe. Nous allons procéder à la bénédiction de cette chapelle. C'est ça qui est le motif pour lequel nous sommes ici en ce moment. Alors, Monseigneur Mbol va procéder à la bénédiction de la chapelle et nous allons présider l'Eucharistie. Merci et bienvenue à tout le monde. Voilà. Monseigneur, vous avez la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. C'est de Dieu que vient toute bénédiction. Et c'est à lui qu'il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Jésus demandait à ses disciples, quand ils entraient dans une maison, de donner la paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent. C'est pour demander cette paix que le Seigneur, nous sommes réunis au nom de Jésus. Nous donnons aujourd'hui le grand cœur à cette chapelle restaurée, la bénédiction de Dieu, afin que tous ceux qui viendront y prier ou y recevoir le baptême trouvent la paix et la joie, et que Saint Joseph continue à leur montrer le chemin qui mène à l'agneau de Dieu. Amen. 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 Que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir. Toi qui as voulu que ton Fils Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous, écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs en ce jour où ils inaugurent leur nouvelle chapelle Saint-Joseph et envoie sur eux ta bénédiction. Bénis leur existence
garde-les de tout danger et de tout mal. Et donnez-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, à présent, nous allons commencer la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le cœur immaculé de Marie. Trois semaines après le dimanche de Pentecôte, l'Église célèbre le cœur immaculé de Marie. C'est un signe que l'Esprit Saint qui descendait sur les apôtres les jours de la Pentecôte, ce même Esprit avait envahi aussi la Vierge Mère de Jésus. Nous allons prier au cours de cette célébration eucharistique pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Immaculée, puisse les aider à dépasser leurs difficultés et leurs souffrances. Mais nous prions également pour cette communauté, Saint-Joseph d'Ingil Brasserie. Nous venons aujourd'hui pour bénir cette chapelle. C'est un acte de foi, mais aussi un signe qui montre que notre vie, si elle n'est pas attachée au Christ, si le Christ n'est pas au cœur de notre vie communautaire, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mes péchés, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Selon Saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le savez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Jérusalem. Il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus ici dans cette communauté d'Ingil Brasserie, la communauté Saint-Joseph. Nous sommes venus pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il réalise parmi nous et particulièrement pour cette nouvelle chapelle. La bénédiction de la chapelle signifie que c'est une maison, c'est un lieu, c'est un endroit qui désormais est consacré au Seigneur. Que la chapelle n'est pas comme un salon ou une salle de séjour. Que la chapelle n'est pas comme une chambre de quelqu'un, mais c'est plutôt un lieu réservé au Seigneur. Raison pour laquelle, dans cette chapelle, nous avons des tabernacles qui symbolisent et signifient en même temps la présence du Seigneur qui est au milieu de nous. Et nous avons également ces lutrins, ces tambons, à partir duquel nous proclamons la parole de Dieu. Dieu qui est au milieu de son peuple, et qui communique chaque jour sa parole. Nous avons finalement l'autel, qui signifie aussi les lieux de sacrifice, le sacrifice de la messe. Jésus s'est offert à son Père, et chaque jour, chaque fois, la communauté va se réunir autour de cet autel pour offrir à Dieu le sacrifice de la messe. Sont là les symboles très importants qui expliquent en quelque sorte, je peux dire, les objectifs d'une chapelle, la finalité d'une chapelle. C'est donc une maison de prière. C'est donc un lieu qui est réservé à Dieu, où les membres de cette communauté vont rencontrer le Seigneur, vont chercher le Seigneur. Nous avons entendu dans l'évangile que nous venons de lire que
Jésus et ses parents étaient partis célébrer la fête de Pâques à Jérusalem. Et au retour, Jésus n'est pas avec eux. Eux qui croyaient que Jésus était avec les compagnons, finalement, au bout de 3 jours, ils rentrent à la recherche de l'enfant Jésus. Où est-ce qu'ils retrouvent Jésus? Ils le retrouvent au temple, en train d'enseigner, en train d'interpréter la parole de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient, ils s'étonnaient parce que son âge ne correspondait pas aux paroles sages qui sortaient de sa bouche. Ils étaient dans l'admiration. Et quand ses parents arrivent, ils lui posent la question, particulièrement de Marie, sa mère. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ton père et moi, nous te cherchons. Et la réponse de Jésus est quand même étonnante. Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je devrais être dans la maison de mon père? Voilà. Jésus est dans la maison de son père. Il est dans le temple et il interprète la parole de Dieu, il explique la parole de Dieu. Et ici, nous pouvons comprendre, par exemple, une chose très simple. Les parents de Jésus sont à la recherche du Seigneur, à la recherche de Jésus. Mais où est-ce qu'ils les trouvent? Ils les trouvent au temple. Ils ne les trouvent pas en train de jouer au football, peut-être que ça n'existait pas à l'époque. Ils ne les trouvent pas en train de jouer à la musique. Ils ne les trouvent pas en train de s'amuser avec ses amis. Mais ils les trouvent au temple, au milieu des scribes ou des docteurs de la loi, en train de parler de Dieu. C'est ça qui doit nous interpeller. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Est-ce que nous avons le temps d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller l'écouter, d'aller l'écouter à travers sa parole? Est-ce que nous avons ce temps d'entrer en profondeur avec le Seigneur pour l'écouter? Marie et Joseph, ils les cherchent parmi les compagnons, mais Jésus n'est pas là. Jésus est au temple. Et ceci signifie pour nous encore aujourd'hui que nous ne pouvons pas seulement être avec les compagnons, passer notre temps à faire beaucoup d'autres choses sans nous dévouer à la recherche de Dieu, comme les parents de Jésus l'ont fait. Leur recherche physique peut-être, matérielle peut-être, mais qui symbolise en quelque sorte cette soif de Dieu qui habite tout homme et toute femme, qui symbolise en quelque sorte cette quête perpétuelle de Dieu qui nous habite. Et notre âme n'a du repos, disait saint Augustin, seulement quand il se repose en Dieu. Notre repos est dans le Seigneur. Mais comment nous pouvons retrouver ce repos dans le Seigneur si nous n'avons pas le temps de le rechercher? Comment nous pouvons retrouver ce repos dans le Seigneur si nous n'allons pas les rencontrer à travers le Saint-Sacrement, du moins dans une chapelle comme celle-ci? C'est ça, je crois, les grands défis pour nous aujourd'hui. Dans le monde moderne, beaucoup de choses nous intéressent, beaucoup de bruit, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de lieux de loisirs, de divertissements. Mais est-ce que nous avons le temps où nous pouvons aller nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute de Dieu? Je crois que très souvent, nous n'avons pas ce temps-là. Donc, c'est un défi pour nous, c'est une interpellation. Comme Joseph et Marie sont allés au temple en train de chercher le Seigneur, nous aussi, nous devons nous réserver quand même ce temps de prière personnelle dans une chapelle comme celle-ci.
Dans la tradition oblate, notre fondateur n'aimait pas que l'on fasse l'oraison, par exemple, dans la nature, en train de se promener. Il n'aimait pas que l'on fasse l'oraison à un autre endroit. Ça peut se faire. Mais pour lui, l'oraison doit se faire dans la chapelle, devant les saints sacrements. Et pour les oblats qui sont ici, je vous rappelle que l'oraison devant les saints sacrements était un moment important où les fondateurs avaient les ambitions de rencontrer tous les oblats. Dans la lettre qu'il écrit aux oblats de Trois-Rivières au Canada, il signifie justement cela, que c'est à travers les saints sacrements, à travers le cœur de Jésus, qu'il rencontre tous ses enfants. Donc, l'oraison est aussi, a aussi plutôt un aspect affectif qui nous permet justement de nous rencontrer comme communauté, comme congrégation, mais surtout de rechercher tous ensemble le Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et donc, je crois que c'est au fait ça. Alors, ça tombe bien aussi qu'aujourd'hui, à la fête du cœur immaculé de Marie, que nous puissions venir ici dans cette communauté pour cette célébration simple, mais que je trouve belle, qui réunit quelques oblats qui sont ici à Kinshasa et qui réunit les amis des oblats qui sont aussi ici, à qui je dis grandement merci pour leur présence. Alors, ceci est un lieu de rencontre pour nous aussi. Lieu de rencontre, lieu de recherche du Seigneur. Mais c'est aussi le moment de dire merci à tous ceux qui ont construit cette communauté, qui ont contribué aussi à la construction de cette chapelle. La communauté ici existe depuis septembre 1998, que cette communauté existe. À ce moment-là, les premiers habitants de la communauté habitaient de l'autre côté chez les frères de la charité, au centre Liziba. Et on venait pour travailler sur cette ferme. Le père Gérard Delbecq, qui était supérieur de la communauté, et puis, il y avait un régent, Romain Bomachi, et moi-même, votre serviteur, quand nous avons commencé cette communauté. Et alors, l'objectif ici, c'était de créer justement une ferme agricole. Raison pour laquelle vous trouverez qu'on a planté ici beaucoup d'arbres, les arbres fruitiers, et qu'il y a eu aussi des efforts pour élever, par exemple, les poules, les porcs. Mais comme vous le savez, parfois, ce sont des choses qui fonctionnent, mais à un certain moment, il y a des échecs. Et donc, depuis le début de cette communauté ou de cette ferme, on avait pas une chapelle en dur comme celle-ci. La chapelle était au même endroit. Et c'était une chapelle en paille. Et vous avez le toit de cette chapelle qui est resté là comme vestige. Parce que les supérieurs de la communauté de l'époque ne voulaient pas une maison comme ça. Ils pensaient à une maison en paille pour avoir beaucoup plus de fraîcheur. Et raison pour laquelle on n'avait jamais construit une chapelle définitive. Et puis à un certain moment, cette chapelle s'est détruite. Et c'est resté longtemps sans toutefois réhabiliter la chapelle. Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer cette chapelle. Et donc c'est le moment de dire merci à tous ceux qui ont contribué à la vie dans cette communauté. En commençant par le père Gérard lui-même qui est rentré en Belgique définitivement pour des raisons de santé. Et le père Gérard, en rentrant en Belgique, dans les mots qu'il adressait à la province, il disait ceci, que s'il a tenu dans la mission 56 ans après, c'est parce que
Il était présent dans la chapelle. Je ne reproduis pas les mots tels qu'il lui-même les avait prononcés. Mais il disait que même quand je n'ai pas envie d'y aller, j'étais là, présent, et j'ai prié. Même quand je n'en ai pas envie. Et je pense que c'est un grand conseil d'un vétéran, d'un missionnaire, qui nous est légué aujourd'hui. Même si nous n'avons pas de force, même si nous n'avons pas d'envie d'être à la chapelle, mais on peut y aller. Ça peut paraître comme de la routine. Ça peut paraître comme du formalisme. Non. Mais je crois que de tout cœur, on nous exhorte à être présents dans ces lieux de prière, particulièrement pour les membres de la communauté qui sont ici présents. Parce que la chapelle, c'est aussi les lieux de communion. Les lieux de communion. Communion spirituelle, comme nous avons la table du repas, comme aussi un lieu de communion. Donc, nous leur disons merci, tous ceux-là qui ont contribué à l'édification de cette maison. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici, qui se sont dévoués, qui ont travaillé. Nous leur disons merci pour leur dévouement. Et alors, à la communauté présente, aux membres qui sont maintenant, qui constituent cette communauté, nous disons aussi merci pour leur dévouement et pour leur travail. Que le Seigneur les accompagne dans tout ce qu'ils ont à faire. Et je souhaite bonne fête à tout le monde. Amen. Célébrons la mère de ton fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Compléter un peu ce que le peuple provincial a dit à propos de la chapelle et de la nécessité pour nous de venir prier. Je peux ajouter un petit élément qui peut nous aider. Nous rappelons les paroles de Jésus qui nous dit ceci. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il a la vie éternelle et je le ressuscite au dernier jour. Celui qui mange sa chair et boit son sang, Jésus est en lui et lui est en Jésus. Alors, Jésus nous dit aussi d'autre part que lui est en son Père et que le Père est en lui. Cela veut dire aussi que nous qui sommes dans le Christ, qui est en son Père et en son Père, nous sommes nous aussi dans son Père. Et c'est là que nous voyons la grandeur du mystère que Dieu nous révèle. Si vous regardez très bien, nous sommes déjà inclus dans la Trinité.
Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci. Christ est roi à Israël, il est béni à l'école, comme on se tombe à ton yon, et maman est sombre la capoya du sol. Maman est sombre la capoya du sol. Maria, Mama, Jesus, Mama, C'est vraiment la forêt, hein. Regardez. On sent aussi que le frère Armand n'est pas ici, hein. Parce qu'il y a une fin d'amécota partout aussi. Voilà. Mais les palmiers, c'est, ça a beaucoup pris, hein. Là, ça vous, moi, je dis, ça vous donne quand même beaucoup de noix, non? Alors, David, vous allez comme ça, vous suivez seulement la rivière ici, jusque là où je vous ai montré l'entrée. Quand on venait, avant de descendre. Ouais. Donc ça, tout ce qui est à gauche, c'est notre terrain. Okay. Des promotions à venir, même dans les années 3000, je ne sais pas combien, si la congrégation tient encore au Congo. Je crois à ce moment-là, Kinshasa sera plus développé encore. Et moi, j'ai peur qu'il n'y ait plus de forêt ici. Ouais, c'est pourquoi j'insiste, vous conservez. Vous conservez. Par exemple, ce sont des gens qui viennent voler. Je sais à Nene Tavanda qui nous mouille, à mon occasion la Koukaba. Je sais à Nene Tavanda qui nous mouille, à mon occasion la Ndolula. Je sais à Nene Tavanda qui nous mouille, à mon occasion la Ndolula. Sabankakata kangama na timbeni. Ye, bapa, ninza mbita yungu.